Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de ma Birchbox du mois d'octobre, donc que je viens tout juste de recevoir. Donc pour celles qui ne connaissent pas Birchbox, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, en fait, c'est un abonnement qui coûte donc 13 euros par mois. Et chaque mois, on reçoit donc 5 miniatures ou formats voyage en fonction d'un profil beauté qu'on a rempli. C'est un abonnement qui est résiliable, donc à tout moment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc tout d'abord, en fait, à chaque fois que vous remplissez en fait les questionnaires par rapport aux produits que vous avez reçus, vous cumulez des points, ce qui vous permet de pouvoir obtenir des produits donc moins chers ou voire même gratuits. Par exemple, moi j'avais quand même cumulé pas mal de points depuis le temps que je suis abonnée. Et du coup, ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter donc avec ma Birchbox le Beauty Blender. Donc normalement sur le site, il est vendu donc 17 euros. Mais comme j'avais 170 points, donc il m'est revenu gratuitement en fait. Et comme j'ai demandé à ce qu'il soit livré donc avec ma box du mois, j'ai pas eu de frais de port. Donc je trouve ça plutôt sympa de pouvoir avoir des produits comme ça en plus de temps en temps. Donc voilà, et comme il me restait quelques points, j'ai commandé un autre produit que je vous présenterai donc au mois de novembre. Donc avec, j'ai eu deux échantillons. Donc j'ai pris le Égyptien Magique parce que je me suis dit que je pourrais peut-être le faire découvrir à l'une d'entre vous. Et en deuxième produit, j'ai pris le blanc de crème Herborn. En fait, c'est une crème hydratante. Voilà, donc deux petits échantillons sympas, donc ils sont à chaque fois dans un petit sachet en papier, donc plutôt sympa. Donc la Birchbox de ce mois-ci, elle se présente comme ceci. La boîte est plutôt sympa, ma foi. Je préférais quand même la boîte du mois dernier avec le petit tiroir, mais bon, elle est plutôt jolie. Donc avec le dos qui est bleu. Donc à l'intérieur, elle est toute simple, elle est blanche. Alors, donc on découvre le menu. Bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Ah oui, j'ai vu sur leur page Facebook que tout le monde aurait une brosse. Donc, ce qui est mon cas aussi. Donc, moi, j'ai eu celle-ci, donc la couleur corail. Donc, qui est de la marque Bester Day Birchbox. Donc, je pense que c'est leur création. Elle rappelle beaucoup la Tangle Teaser, je trouve. Donc je vais la tester. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, brosse, 10 euros elle est vendue. Donc voilà. Ils ont dit rien de particulier, que nous l'avons voulu arrondie pour qu'elle tienne bien dans une main, avec des picots fins et flexibles, de ceux qui démêlent la chevelure en la rendant souple et pas électrique. Oui, ça rappelle vraiment la Tangle Teaser, je l'ai sortie justement parce que je voulais vous faire une vidéo sur mes produits capillaires. La seule différence, c'est que dans celle-ci, en fait, vous avez des picots de différentes tailles. Alors que dans la Tangle Teaser, en fait, ils sont tous de la même taille. Mais je pense que c'est le même principe. Je l'ai aussi en format voyage, d'ailleurs que je glisse dans mon sac à main. Mais bon, bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, plutôt sympa, je suis contente, je vais la tester. Alors, en second produit, j'ai eu un produit Caudalie. Donc, celui-ci, sérum fermeté en 10 millilitres. Donc, avec une petite pipette. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? On ne présente plus Caudalie. Nanana, nanana. Le sérum fermeté de la gamme Resveratrol pour lutter contre les signes de l'âge et la perte de fermeté. Bah écoutez, c'est un produit qui me correspond plutôt bien pour une peau plus ferme et plus tonique. Appliquer le matin et le soir avant le soin habituel. Et donc, ils ne nous disent pas par contre le prix du format full size. Bon, à mon avis, ça ne doit pas être donné, mais c'est pas inscrit, donc je ne pourrais pas vous dire. Bon, je ne le vois pas. Donc, bah, je suis plutôt contente de ce produit-là, qui me correspond plutôt bien. Ensuite, de la marque Knepp, on a eu une mousse de douche menthe eucalyptus. Donc, les 200 ml font 7,50 € et là, on a 75 ml. Donc, ça se présente comme ça. Je pense que c'est le même concept que la mousse de douche. Je me souviens plus de son nom, que je vous ai présenté dans la Duty, dans mes favoris d'ailleurs du mois de septembre. Je pense que c'est le même concept. Par contre, à la menthe, je suis pas sûre. Je vais voir.
Oui, l'embout se présente vraiment de la même façon. Je vais prendre un mouchoir parce que je vais faire des âneries, c'est sûr. Ouais, c'est exactement le même concept. Ouf, ça sent fort par contre. Alors pour celles qui adorent la menthe, vous allez adorer. Bon, après le matin, ça peut être un produit plutôt sympa, vivifiant, mais c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment comme de la mousse à raser. Et ça sent fort effectivement la menthe. Donc bon, écoutez, alors j'aime beaucoup ce concept-là. Rituals. Voilà, j'ai un éclair de génie. Rituals. Donc j'aimais beaucoup la texture, donc je pense que je vais beaucoup apprécier celle-ci. Par contre, l'odeur de menthe, bon, je suis pas fan. Mais bon, je vais quand même le tester. Sinon, au pire des cas, je verrai pour l'utiliser quand des fois je me rase les jambes, ça arrive parfois. Donc je vais voir. Ensuite, de la marque Huygens, donc j'ai eu un shampoing donc pour cheveux secs à l'huile essentielle d'ylang. Et donc c'est en format 30 ml. Je ne sais pas si on va voir, c'est écrit en tout petit, 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 juste ici, 30 ml. Et donc les 250 ml font 15,90 €. Donc par contre, pour shampoing sec, ça me plaît beaucoup. Pour shampoing sec. Pour cheveux secs, ça me plaît beaucoup puisque c'est la nature de mes cheveux. Et ils disent qu'il est composé à 99% d'ingrédients naturels, sans sulfate, sans silicone. Bon, après, moi, je vous avouerai que je fais pas trop attention à la composition des produits et notamment pour mes cheveux. Mais bon, pourquoi pas? Je pense que oui, je vais le tester avec plaisir. Et donc, en dernier produit, j'ai eu un mascara de la marque So Suzanne. Donc les 11,7 ml font 23 €. Donc il se présente comme ceci. Est-ce que c'est un full size? J'aurais tendance à dire oui, mais bon. Donc il est noir. Parfait. Mais écoutez, je vois pas. Ouverture, c'est donc à consommer dans les 6 mois après ouverture. Non, je vois pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de le tester. Je vais pas l'ouvrir parce que des mascaras, j'en ai déjà pas mal d'ouverts. Donc, bon, n'abusons pas. Surtout qu'en plus, comme il ne se conserve que 6 mois, ce serait du gâchis. Il est waterproof, donc ça, c'est pas mal. Allonge et étire les cils en un seul passage sans jamais les alourdir. Bon, écoutez, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Bah, écoutez, je suis plutôt contente de la sélection que j'ai eue ce mois-ci. Donc j'ai eu la brosse, donc ça je suis très très contente. Le shampoing de la marque Huygens, je suis contente aussi puisqu'il correspond à la nature de mes cheveux, donc impeccable. Le sérum Caudalie, bah écoutez, je vais le tester notamment le soir, je pense, avec grand plaisir. Donc 10 ml, ça fait quand même un petit moment hein, pour un sérum. Hein. On en a bien pour 15 jours, voire 3 semaines, hein, parce qu'un sérum c'est extrêmement concentré, donc il ne faut pas en mettre de trop. La mousse de douche Knepf, je suis un peu déçue par son odeur. Franchement, la menthe, c'est très particulier. Donc, bon, je vais voir, je testerai. C'est dommage puisque la texture, à mon avis, est très très sympa. Tout comme celle de Rituals. Et un mascara noir, bah, écoutez, waterproof en plus. Donc, plutôt génial, surtout avec la météo qu'on a actuellement où il n'arrête pas de pleuvoir. C'est plutôt sympa. Bah, écoutez, je suis très contente du contenu de ma box de ce mois-ci. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Si vous l'avez reçu et que vous avez reçu comment dire, une box différente, bah, n'hésitez pas à me la partager. Ou si vous l'avez faite en vidéo, à me partager votre vidéo. Je la regarderai avec plaisir. Et puis, bah, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, bah, franchement, si vous voulez découvrir des produits pour 13 € par mois, c'est très sympa. Franchement, faut dire ce qui est. Ce ne sont pas des gros formats, mais c'est le concept de Birchbox. C'est vraiment nous faire découvrir des nouvelles marques et des nouveaux produits. Et en plus, le système de points qu'on peut cumuler, donc soit en parrainant, soit en répondant aux questionnaires, je trouve ça sympa puisque moi, ça m'a permis ce mois-ci d'avoir, je le cherche partout, le Beauty Blender. Donc, c'est plutôt cool parce que j'en ai deux, mais il y en a un qui est en fin de vie. Donc, je vais pouvoir le jeter puis le remplacer. Donc, c'est plutôt sympa. Et je vous dis, et comme il me restait quelques points, j'ai commandé un autre produit que je recevrai donc dans ma box du mois de novembre. Voilà les filles, bah écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve très prochainement. Ciao!